Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Rabiot au Barça. Mais avant de parler d'Adrien Rabiot qui est selon moi un excellent milieu de terrain, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée de Rabiot au Barça. 3 ans après son départ du PSG pour la Juventus, Adrien Rabiot pourrait bel et bien rejoindre le FC Barcelone. La rumeur est récemment apparue dans la presse espagnole. Bien décidé à renforcer son entrejeu, le Barça aurait en effet coché le nom d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain tricolore que la Juventus Turin pourrait laisser partir malgré son nouveau statut dans le Piémont. Lors du mercato estival 2019, alors qu'il était en fin de contrat au PSG, le Français avait été tout proche de rejoindre les Blaugrana. Sa signature semblait acquise, mais une surenchère de la part de Véronique Rabiot, maire et agent du natif de Saint-Maurice, avait tout fait capoter, provoquant la colère des dirigeants barcelonais. Adrien Rabiot avait finalement rejoint la Juventus, où après une saison d'adaptation, il s'est imposé dans l'entrejeu des Bianconeri, au point de faire son retour en équipe de France malgré son refus de jouer les réservistes au moment de la Coupe du Monde 2018. D'après la presse espagnole, des contacts auraient eu lieu en début de semaine entre le Barça et Adrien Rabiot. Le son de cloche est différent vu d'Italie. Le Barça serait bel et bien intéressé par le Français, mais serait toujours en réflexion. La faute, notamment aux exigences salariales de l'ancien Parisien Adrien Rabiot, de nature froide à refroidir les ardeurs de ses prétendants. La Juve sera en tout cas bel et bien ouverte à son départ. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Rabiot au Barça est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.